Qu'est-ce au juste qu'un texte? Qu'est-ce qu'une source, un symbole, une signification? L'historien d'art, bien souvent, n'en veut guère trop savoir. Le mot signifiant comme le mot inconscient, tout cela au pire lui fait peur, au mieux l'agace. Les années passant et l'effet de mode ayant insisté, il acceptera peut-être d'employer le mot signe ou le mot subconscient, indiquant par là même qu'il n'a rien voulu comprendre. Mais son argument principal, sa botte définitive à l'égard de catégories qui lui sembleront étrangères ou trop contemporaines, consistera finalement à porter un semblant d'estocade, ce que nous pourrions nommer le coup de l'historien. Comment pouvez-vous croire qu'il soit pertinent en histoire d'utiliser les catégories du présent pour interpréter les réalités du passé ? Telle est en effet la conséquence, pour la notion même d'histoire, du discours de la spécificité. Telle est sa formule la plus radicale, la plus évidente, la mieux partagée. Tertullien n'a jamais énoncé, avec ces mots-là, faut-il entendre, la différence du visible et du visuel. Le Moyen-Âge n'a jamais parlé d'inconscient, et s'il a parlé de significance ou de significatum, c'était certes pas au sens saussurien ni lacanien. Conclusion, le visuel n'existe pas chez Tertullien, l'inconscient n'existe pas au Moyen-Âge et le signifiant n'est qu'un tic de la pensée contemporaine. Rien d'historique, rien de médiéval là-dedans. L'argument est à plus d'un titre énorme. Il a le poids d'une évidence sur laquelle, aux yeux de beaucoup, toute une discipline semble fondée, et le poids se pourrait ici nommer gravité. Mais il a aussi le poids d'une naïveté épistémologique extrêmement tenace, malgré quelques décisifs travaux critiques, ceux de Michel Foucault en particulier. Car on s'aperçoit bien vite qu'une telle évidence engageait dès le départ toute une philosophie de l'histoire. Une philosophie de l'histoire qui a elle-même son histoire et qui, de sédiments en confusion, n'a cessé de camoufler ses tenants pour mieux exhiber sur l'écran des évidences ses propres aboutissants pratiques. C'est donc en historien qu'il faut répondre au coup de l'historien, mais aussi en dialecticien, et partir pour cela du plus simple, les apories de la pratique, vers le plus complexe, les apories de la raison. Il faut ainsi commencer par interroger la proposition du coup de l'historien en la positivant, c'est-à-dire en la renversant. Peut-on pratiquement interpréter les réalités du passé avec les catégories du passé, du même passé, s'entend ? Et quelle serait alors la teneur de ce même ? Qu'est-ce au fond que le même pour une discipline historique ? Comment saisit-on la même-té d'un rite disparu, d'un regard médiéval, d'un objet dont le monde a passé, c'est-à-dire dont le monde s'est écroulé ? Il y a en tout historien un désir absolument justifié, d'empathie. Il peut tourner parfois à l'obsession, à la contrainte psychique, parfois à un délire borgésien. Un tel désir nomme en même temps l'indispensable et l'impensable de l'histoire. L'indispensable, puisqu'on ne peut comprendre le passé au sens littéral du terme « comprendre », qu'en se livrant à une espèce d'hymen. Pénétrer dans le passé, et s'en pénétrer, bref, se sentir l'épousé pour le saisir tout à fait, alors qu'en retour nous sommes, dans cet acte, nous-mêmes saisis par lui. Happés, enlacés, voire médusés. Il est difficile de méconnaître à travers ce mouvement d'empathie le caractère profondément mimétique de l'opération historique elle-même, comme le restaurateur qui repasse avec sa propre main sur chaque touche du tableau auquel il redonne vie, comme on dit, et à propos duquel il pourra avoir le sentiment d'en être le quasi-créateur, d'en
tout savoir. De même, l'historien mettra dans sa bouche les mots du passé, dans sa tête les dogmes du passé, devant ses yeux les couleurs du passé. Et ainsi, il cheminera dans l'espoir de le connaître charnellement, ce passé, de le prévoir en un sens. Ce caractère mimétique ne constitue au fond que l'avancée conquérante du désir dont nous avons parlé plus haut. Quant à la conquête elle-même, dont la solidité strictement vérificatoire ne peut être qu'exceptionnelle, elle révélera sous bien des aspects sa consistance de fantasme. Elle sera à tout le moins un acte d'imagination. Grandeur et misère de l'historien. Toujours, son désir sera suspendu entre la mélancolie tenace d'un passé comme objet de perte et la victoire fragile d'un passé comme objet de trouvaille ou objet de représentation. Il tente d'oublier, mais ne le peut, que ces mots « désir », « imagination », « fantasme » ne sont là que pour lui indiquer une faille qu'il requiert constamment. Le passé de l'historien, le passé en général, tient à l'impossible. Il tient à l'impensable. Thank you.